Donc, c'est un projet qui est encore en cours, qui a été initié en début d'année dans le cadre du stage de M2 d'une étudiante qui s'appelle Alice Faure. Alice était co-encadrée par moi-même et par Julien Mozziconacci. Et ont également participé à ce projet Yanis Benjelal, qui a réalisé des analyses de IC, et Judith Lopez, qui sera impliquée en fait davantage dans la poursuite de ce projet. Alors. Voilà. Alors, vous savez tous déjà, et Pierre l'a rappelé hier, qu'on connaît depuis. De différents types de chromatine. Attends, il y a un problème de son. Il y a un problème ? Ouais, on ne t'entend pas très bien. Et là, vous m'entendez ? J'ai rien touché. Oui, on t'entend mieux. Vas-y, ouais, c'est bon. Ok, donc vous savez qu'il existe deux types de chromatine qu'on connaît depuis très longtemps, qui ont été identifiés par des méthodes d'observation de chromosomes ou de microscopie électronique. Donc, si les notions de chromatine et d'hétérochromatine ont été proposées il y aura bientôt 100 ans, depuis plus récemment, on connaît les propriétés de ces chromatines, en particulier le fait que le chromatine est enrichi en gènes actifs et porte des marques épigénétiques particulières. Et c'est le cas aussi de l'hétérochromatine qui, elle, est plus pauvre en gènes et considérée comme transcriptionnellement silencieuse. Alors, ça fait assez longtemps que nous, dans l'équipe, on s'intéresse à une chromatine particulière qui est celle qui est dans les régions centromériques et péricentromériques des chromosomes. Alors, cette chromatine, elle a la propriété de s'assembler sur des régions qu'on appelle répétées en tandem. On parle aussi de séquences satellites. Et ce sont des séquences qui posent un certain problème, notamment elles sont difficiles à intégrer dans les cartes des génomes assemblés, génomes dont elles peuvent représenter jusqu'à 10%. Alors, on a depuis longtemps cet intérêt pour les séquences satellites, mais depuis plus récemment, en particulier sous l'impulsion de Julien, on s'intéresse également à d'autres types de séquences répétées qu'on appelle des séquences répétées dispersées. Alors, ces séquences, on les appelle également éléments transposables puisqu'elles peuvent bouger d'un locus génomique vers un autre. On appelle ça de la transposition. Alors, il existe de très, très, très nombreuses familles d'éléments transposables. Il y a une organisation en famille et en sous-famille. Ce qui est essentiel de retenir, c'est qu'elle compose une grande partie des génomes, entre 50 et 70% selon les génomes eucaryotes qu'on regarde. Et donc, là, vous avez des exemples de séquences qui sont très abondantes dans le génome humain, celles qui s'appellent Line 1, qui peuvent correspondre jusqu'à 20% du génome, et des séquences ALU qui peuvent correspondre à 11%. Alors, une grande question pour qui s'intéresse aux séquences répétées, c'est est-ce qu'elles servent à quelque chose? Pendant très longtemps, on a parlé de junk DNA, on pensait qu'elles servaient à rien. Aujourd'hui, on a tendance à croire que les répétitions en tandem pourraient contribuer dans certaines situations au fonctionnement du centromère et les éléments transposables pourraient participer à des processus de régulation de l'expression génique. Alors, pour répondre à ce type de questions, on a eu envie de regarder si certains éléments transposables pouvaient être distribués non aléatoirement entre le chromatine et l'hétérochromatine. Alors ça, c'est quelque chose qui était connu chez la souris depuis pas mal de temps et cette connaissance a été reprise et exploitée de façon très astucieuse il y a un peu plus de 10 ans par Irina Solovey, qui a développé des sondes qui permettaient de détecter par hybridation de fluorescence in situ des séquences qu'on appelait des lines ou des signs, et des séquences qui étaient connues pour être enrichies dans le chromatine et l'hétérochromatine, comme le révèle cette hybridation de fluorescence in situ sur un chromosome en métaphase. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde un noyau en interphase et qu'on hybride ce type de sonde, on est capable de distinguer le chromatine et l'hétérochromatine. L'hétérochromatine est présente en proximité de l'enveloppe et autour des nucléoles, alors que le chromatine est plutôt présente dans le nucléoplasme. Alors, ce genre d'approche d'imagerie est extrêmement intéressant puisque Irina Solovey l'a utilisé pour mettre en évidence des organisations différentes dans certains types cellulaires, en particulier les bâtonnets de la rétine, et également étudier les mécanismes qui conduisent à l'ancrage de l'hétérochromatine à l'enveloppe.
Alors, aujourd'hui, vous savez tous que qui s'intéresse à l'organisation 3D des génomes réalise en général des expériences de IC. On en a vu beaucoup d'exemples hier et ce matin. Ces manips de IC permettent de mettre en évidence l'organisation du génome en TAD, mais également font apparaître les compartiments A et B qui correspondent en fait à l'euchromatine et à l'hétérochromatine dont je viens de parler. Alors, ces expériences sont bien sûr très intéressantes, mais le type d'approche d'imagerie dont je viens de vous parler permet d'apporter d'autres ne sont pas fournis par les expériences, en particulier comment les compartiments A et B sont organisés les uns par rapport aux... Il y a un problème de son encore, Christophe. Oui, je sais. Pas de micro, j'ai pas de micro. Jusqu'ici, ça marchait. Peut-être que si tu changes de position, je ne sais pas. Peut-être couper la vidéo de la personne, peut-être. Couper ma vidéo. Oui, oui, c'est bon. Là, c'est un problème de bande passante, pas de micro, le ce qu'on entend. D'accord. Bon, on va voir. Alors, je reviens là. Oui, donc... Je disais que ces expériences d'imagerie nous révèlent des informations qui ne sont pas données par les expériences de IC, en particulier l'organisation relative des compartiments A et B, mais également l'organisation de ces compartiments par rapport au nucléole et à l'enveloppe. Et l'un des intérêts de ces approches d'imagerie aussi, c'est que ça permet de regarder la distribution dans le noyau d'un compartiment qui est ignoré par les expériences de IC. C'est ce qu'on appelle l'hétérochromatine péricentromérique, qui est constituée de répétitions en tandem. Pierre nous a bien décrit hier que chez la souris, il est bien connu que l'hétérochromatine péricentromérique de plusieurs chromosomes s'associe pour former ce qu'on appelle des chromocentres. Alors, donc cette slide résume un petit peu ce que je viens de... les bases moléculaires des images que je viens de montrer, à savoir que différents types de séquences répétées sont enrichis préférentiellement dans certains types de chromatines et peuvent être utilisés pour aller visualiser les compartiments hétérochromatine et euchromatine par des expériences d'imagerie. Alors, en fait, cette distribution particulière de différents types de séquences répétées dans les différents types de chromatines n'est pas une preuve que ces séquences répétées ont un rôle dans la distribution particulière des différents types de chromatines dans le noyau. Mais il faut noter qu'il y a quelques années, un travail dirigé par Giulia Mozziconacci a montré, et fondé sur des analyses de IC, a montré que des répétitions qui appartiennent à une même famille ont tendance à s'associer les unes avec les autres. Ce qui, bien sûr, conduit à se poser un certain nombre de questions quant au rôle que pourraient jouer les séquences répétées dans la mise en place de l'organisation du noyau. Oui, ce qui est surprenant aussi, c'est que les images que je viens de vous montrer ont été obtenues chez la souris et jusqu'ici, personne n'a utilisé des expériences d'hybridation de fluorescence in situ pour visualiser le chromatine et l'hétérochromatine dans des cellules humaines. Alors, l'objectif du travail qu'on a entrepris, c'était de visualiser des compartiments chromatiniens dans des cellules humaines. Donc, dans un premier temps, d'identifier des séquences répétées qui pourraient être enrichies soit dans le compartiment A, soit dans le compartiment B. Et bien sûr, comme vous le savez sans doute, les séquences répétées dispersées entre l'homme et la souris ne sont pas forcément les mêmes. Le modèle cellulaire qu'on a choisi, c'est une lignée cellulaire avec un génome quasi, très peu réorganisé qui s'appelle DLD1 et pour laquelle des données de IC étaient disponibles. Donc, notre objectif, c'était de concevoir des sondes oligonucléotidiques pour détecter sélectivement certaines répétitions et ensuite de valider ces sondes pour pouvoir permettre de visualiser des compartiments chromatiniens par microscopie de fluorescence. Alors, à partir des données de IC qui ont été tous les compartiments, toutes les régions génomiques ont été classifiées en trois compartiments qu'on a appelés A, B et I, I étant un intermédiaire entre A et B.
Par ailleurs, toutes les familles de séquences répétées dispersées sont identifiées grâce à une base de données et un logiciel qui s'appelle RepeatMasker, qui permet d'annoter ces répétitions. Et donc, l'idée, c'est que sur chaque répétition annotée, on peut assigner un compartiment, que ce soit A, B ou I. Parfois, ça peut être indéterminé. Alors, vous voyez ici des exemples de résultats qu'on obtient pour différentes familles. Je n'ai pas choisi de montrer toutes les séquences répétées. Il y en aurait beaucoup. Donc là, on a représenté toutes les séquences qui sont censées appartenir être des signes, des short interspersed nuclear elements. Chaque point représente une séquence. Et donc, les points qui sont sur la diagonale ont un nombre de copies à peu près équivalent dans le compartiment B et dans le compartiment A, et les points qui s'éloignent de la diagonale vont être enregistrés dans le compartiment le A lorsqu'on est en dessous de la diagonale, en fait. Donc là, vous avez le même type d'analyse pour des séquences line et le même type d'analyse pour des séquences LTR. Donc, à partir de l'observation de ces graphes, on a sélectionné deux familles de séquences répétées, l'une étant enrichie dans le compartiment A, l'autre étant enrichie dans le compartiment B. Donc, dans le compartiment A, elle s'appelle LUJB, et dans le compartiment B, elle s'appelle L1PA7. Alors, à partir du moment où on a identifié une famille de séquences répétées intéressantes, on n'est pas au bout de nos peines parce que notre objectif, c'est de pouvoir détecter ces familles par des expériences de fiches, d'hybridation de fluorescence in situ, utilisant des oligonucléotides comme sonde. Alors, on a une certaine expérience dans l'équipe dans l'utilisation d'oligonucléotides qui font 18 à 30 de long pour la détection de séquences répétées, en particulier dispersées. Alors, lorsqu'on a affaire à une séquence répétée, comme à l'UJB, par exemple, qui fait environ 300 nucléotides de long, il existe de très nombreuses façons de choisir des oligonucléotides comme sonde pour détecter cette séquence. Donc, en fait, on a développé des algorithmes bioinformatiques pour identifier les processus de chaque les propriétés de chaque oligonucléotide susceptible d'être utilisé comme sonde. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est ça utilise une fenêtre glissante et on est capable d'observer toutes les séquences qui font une longueur donnée, 20 nucléotides par exemple, qui seraient susceptibles de détecter la séquence à l'UJB parce qu'elle s'hybriderait à la séquence consensus. Donc, grâce à cette fenêtre glissante et à des algorithmes de corrélation croisée entre le génome humain et les séquences qui s'appuient sur une transformation de Fourier inverse, on est capable d'étudier les propriétés de chacun des oligonucléotides possibles de façon extrêmement rapide. Donc, ça prend 20 minutes pour chaque oligonucléotide. Donc, le travail est réalisé sur un cluster et en quelques jours, on a la réponse pour l'ensemble de la famille à l'UJB, par exemple. Alors, les propriétés qu'on est capable d'étudier, c'est le nombre de séquences cibles. Et vous voyez ici que le long des 300 nucléotides qui composent le consensus de la séquence à l'UJB, ben, certains des oligonucléotides vont s'hybrider sur des séquences qui vont être présentes quelques milliers de fois. C'est ceux qui sont sur cette partie plate du graphe. Mais d'autres vont s'hybrider sur des séquences qui sont présentes jusqu'à 100 ou 300 000 fois. Alors, qu'est-ce que ça révèle, ceci ? Ça révèle en fait que lorsqu'on regarde la famille à l'UJB, on regarde une sous-famille et cette sous-famille possède des motifs en commun avec d'autres sous-familles de la famille à l'U. Et lorsqu'on a beaucoup de répétitions, on est peu spécifique pour une sous-famille particulière. Alors, ce qu'a donné notre algorithme aussi, c'est également la proportion de chaque oligonucléotide trouvé dans les compartiments A ou B. Donc, ce que vous voyez en bas ici, c'est la confirmation que les séquences trouvées qui constituent à l'UJB sont enrichies dans le compartiment A, montré en noir en haut, par rapport au compartiment B, montré en gris en bas. Donc, à partir de là, on a décidé de focaliser sur certaines régions. Par exemple, celle-ci qui est très abondante, mais pas forcément très enrichie en A, ou bien celle-ci qui est moins abondante, mais un peu plus enrichie dans le compartiment A. Donc, en visualisant, par ce processus d'inspection visuelle, on a proposé des séquences de sondes. On a fait la même chose pour la famille L1PA7.
on est capable de regarder différentes régions. Et donc, à partir de notre expérience sur la conception de sondes oligonucléotidiques, on a pris en compte différents critères qui pouvaient être la spécificité par rapport au compartiment A ou B, donc le ratio entre nombre de séquences dans A et de séquences dans B. La sensibilité attendue pour la détection, puisque bien sûr, si un oligonucléotide s'hybride sur 100 000 séquences cibles, on s'attend à avoir davantage de signal que s'il s'hybride seulement sur 500 ou 1000 séquences cibles. Ce qu'on a en tête également, c'est que l'hybridation peut se produire, va être possible, bien sûr, sur la séquence parfaitement appariée, mais également en présence de mésappariements. Alors, on a une certaine expérience pour savoir que, dans certaines conditions, les sondes peuvent s'hybrider avec un ou deux mésappariements. Donc, à partir de toute cette connaissance, on a conçu différentes sondes dont les longueurs peuvent faire 17 à 30 nucléotides. On fait varier également la chimie. Et en particulier, on n'hésite pas à introduire à une position sur deux pour les sondes plus courtes. On prend en compte le pourcentage en GC de la sonde. Si ce pourcentage est trop élevé, on fait des sondes plus courtes. On inspecte les séquences pour éviter les structures secondaires, les polynucléotides tracts, etc. Et donc, on a conçu quatre sondes, deux qui ciblaient une séquence ALU, deux qui ciblaient une séquence L1. Et on était capable de révéler ces paires de sondes grâce à des systèmes de biotine dioxygénine, soit en combinant des séquences qui détectent des familles différentes, soit en combinant les séquences qui détectent la même famille. Et vous voyez ici l'un des résultats obtenus. Une sonde qui détecte la famille ALU-JB montre un marquage principalement nucléocytoplasmique, alors qu'une sonde qui détecte la famille L1PA7 montre un marquage plutôt périphérique. Et pour valider le fait, notre approche, ce que je montre ici aussi, ce sont des profils d'intensité réalisés sur les différentes expériences. Donc, sur l'expérience que je viens de montrer, on voit que les profils de détection d'une séquence L1PA7 ou d'une séquence ALU ont l'air d'être plutôt anticorrélés. Alors que lorsqu'on prend deux sondes qui marquent la séquence L1PA7, on obtient des profils très similaires. Et même chose lorsqu'on prend deux sondes qui détectent des séquences ALU. Alors, de façon à vous convaincre que ces sondes peuvent être intéressantes pour détecter les compartiments chromatiniens, on a réalisé de la segmentation d'images en utilisant un logiciel qu'on avait développé dans l'équipe il y a quelques années qui s'appelle Tango et qui permet… Pardon ? Oui. 3 minutes. Avec Tango, on a réalisé des segmentations et des reconstructions 3D. Donc, vous voyez ici l'exemple, le type d'image de reconstruction 3D qu'on peut obtenir. On peut faire tourner les images. Donc, l'intérêt de ces approches, c'est qu'on va pouvoir réaliser des mesures, faire des statistiques sur les volumes, leurs formes et la façon, par exemple, dont les compartiments A et B vont être entremêlés l'un avec l'autre. Donc, pour conclure, ce travail a permis d'identifier des séquences candidats pour des cibles pour des sondes oligonucléotidiques grâce à des analyses de compartiments de IC et des analyses génomiques. Donc, pour l'instant, les deux familles qu'on a identifiées, qui s'appellent ALU-JB et L1PA7, sont clairement enrichies spécifiquement l'une dans le compartiment A, l'autre dans le compartiment B. Et les sondes fluorescentes qu'on a conçues ciblant ces séquences sont capables de distinguer ces deux compartiments. Donc, les perspectives ouvertes par ces sondes, c'est de regarder, par exemple, par de l'imagerie à haut débit, les propriétés des différents compartiments, comment ils évoluent durant le cycle cellulaire, afin de mieux comprendre la compartimentalisation nucléaire à l'échelle de la cellule. On n'a malheureusement pas pour le moment regardé d'autres types cellulaires. Bien sûr, il y aurait un intérêt à regarder d'autres familles de séquences. Et l'idée de ce travail à terme, c'est de participer à la compréhension des mécanismes moléculaires qui sous-tendent l'architecture de noyaux. Donc, bien sûr, on pourrait imaginer rechercher, étudier des mécanismes de séparation de phase en introduisant des perturbations et en regardant les perturbations engendrées, les conséquences de ces perturbations. Il y a quelque chose qui nous intéresse beaucoup, ce sont les marques épigénétiques associées à ces séquences répétées. Et ce qui est remarquable, c'est que certaines des sondes qu'on a développées font environ 20 nucléotides de long.
Et 20 nucléotides, c'est également la longueur des guides RNA qui sont utilisés dans les approches CRISPR-Cas9. Donc, ce qu'on a très envie de faire, c'est de designer à partir des séquences de nos sondes des guides RNA pour cibler spécifiquement certaines familles de séquences répétées dispersées. Alors ça pourrait servir à faire de l'imagerie in vivo, par exemple, mais surtout à faire de l'ingénierie épigénétique. En effet, Judith Lopez, dans l'équipe, a développé des méthodes d'ingénierie épigénétique ciblant les séquences répétées, dans lesquelles, par exemple, en ciblant sur des séquences particulières une histone déméthylase, on est capable d'effacer la marque triméthyle sur la lysine 9 de l'histone H3. Donc, de la même façon, on pourrait, en ajoutant la marque triméthyle sur des séquences présentes dans le chromatine, induire de façon artificielle de l'hétérochromatine sur l'ensemble d'un chromosome ou de façon inverse, enlever la marque triméthyle et avoir un chromosome qui sera constitué principalement de chromatine. Voilà, donc je voudrais vous remercier pour votre attention. J'ai déjà mentionné les personnes impliquées dans ce projet. J'en profite pour remercier les autres membres présents et passés de l'équipe, et je suis prêt à répondre à vos questions. Ok, merci beaucoup, Christophe. Alors, il y a Geneviève qui a la main levée depuis tout à l'heure, mais je suspecte qu'elle va lui poser une question. Geneviève, non? Non, désolée, oui, effectivement, j'ai oublié d'enlever ma main, mais je peux poser une question. Vous n'avez pas parlé de microscopie haute résolution, est-ce que c'est dans vos plans ou est-ce que vous en avez déjà fait, pas montré? Voilà, puisqu'il y a maintenant des microscopies super résolution très, très impressionnantes qui montrent des nucléosomes individuels. Enfin, voilà. C'est clair que c'est une application de ces sondes. Pour l'instant, on est encore en train de les développer. Et la spécialité de notre labo, c'est plus le haut débit à résolution normale. Mais on a commencé collaborations avec des gens qui font de la haute résolution. Et c'est clair que ça aurait un grand intérêt, notamment pour regarder les régions qui sont à la jonction entre les compartiments A et B, en fait. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. Peut-être. Ah si, excusez-moi. Dan. Bonjour Christophe, c'est très intéressant. Tu as mentionné les marques épigénétiques. J'étais juste curieux, est-ce que c'est aussi possible de combiner cette approche avec de immunofluorescence pour juste imaginer les marques histone? Théoriquement, oui. On a de l'expérience de l'immunofiche au laboratoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les signaux ne sont pas aussi bons que lorsqu'on fait de l'immuno tout seul ou du fiche tout seul. Et c'est pas facile dans des cellules humaines de voir comment sont distribuées certaines marques épigénétiques. Il y a des choses qui sont plus faciles dans les cellules de souris, par exemple, où on sait qu'on a les chromocentres qui sont très enrichis en marque H3K9 triméthyle. C'est un peu plus difficile de faire du quantitatif sur les cellules humaines. Mais, par exemple, par une expérience d'immunofiche, on pourrait regarder si un compartiment donné est enrichi en telle ou telle marque en intégrant le signal donné par un anticorps, par exemple. Ok, merci. Il y a une autre question. David, yes. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, en fait, j'ai une question un peu naïve, mais le fait de designer des sondes qui vont se retrouver dans deux contextes chromatiniens A et B plus ou moins accessibles, est-ce que le fait de l'étape de dénaturation dans le fiche, finalement, il va y avoir des degrés de dénaturation variables entre ces deux grands types de compartiments? Et est-ce que ça ne peut pas biaiser l'hybridation et le readout du fiche? Alors, c'est une très bonne question, mais je pense qu'il y a le travail de nombreux groupes, en particulier celui d'Irina Solovey, pendant des années, qui a permis d'éliminer ce genre de biais. Parce qu'en fait, le fiche, ça marche tout le temps. Et ça marche pour toutes les séquences. Et ça peut être très reproductible aussi. Alors, à condition d'avoir les bons protocoles, mais je pense qu'on peut éliminer cette idée qu'il y aurait des biais. Merci. Moi, j'ai une petite question, Christophe. Oui. Entends ?
Oui. C'est concernant donc ce que vous voulez faire sur l'ingénierie, le ciblage épigénétique. Je n'ai pas bien compris, vous voulez quoi cibler Alors, on a identifié des sondes qui font 20 nucléotides de long qui sont soit spécifiques du compartiment A, soit spécifiques du compartiment B. Donc, avec des ARN guides qui auraient des séquences identiques à ces sondes, on ciblerait les systèmes CRISPR-Cas soit spécifiquement sur le compartiment A ou sur le compartiment B. Donc, en pratique, ce serait en théorie sur ces séquences à l'UJB ou L1-PA7. Et dans le cas où on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup d'hétérochromatine, bah, si on élimine, on cible une histone déméthylase, on s'attend à transformer progressivement cette hétérochromatine en euchromatine et inversement. Et justement, c'est dans l'inverse, ça me paraît plus… parce que je crois qu'il y avait des études qui regardaient qu'au niveau de l'insertion, par exemple, de rétrotransposons ou au niveau de l'euchromatine, c'est-à-dire que l'hétérochromatinisation dépend énormément du contexte, en fait. Je sens bien qu'on puisse retirer facilement de l'hétérochromatine, mais après, recréer comme ça des novos de l'hétérochromatine, c'est certainement possible, mais ça va dépendre énormément du contexte génomique. Sans doute. L'activité des gènes actuellement, je ne sais pas si c'est aussi simple. Retirer, je veux bien. Et après, il y aura peut-être des problèmes de titration, tout ça, mais enfin, ça vaut le coup. La propagation, par exemple, quand il y avait des insertions de rétrotransposons dans le chromatine, finalement, l'hétérochromatinisation, elle était relativement faible. Oui, c'est possible, mais il y a une question qui reste ouverte, c'est est-ce qu'on est capable aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour toutes ces séquences répétées, de savoir quel est leur état épigénétique exactement, en fait ? Parce que quand on analyse des manips de type sec, souvent, la plupart du temps, ces séquences, elles sont éliminées. On connaît l'état chromatinien au voisinage dans les séquences qui sont uniques, mais pas sur cette séquence-là, en fait. Donc, en plus, tu ne connaîtrais pas la variabilité, en plus. Oui. Oui, non, c'est assez compliqué. D'accord, très bien. Merci. Je vérifie sur le chat s'il n'y a pas de questions. Il n'y a plus de mains levées, à part Geneviève. Mais